garde la même mémoire d'une période pourtant compliquée dans ma life, Kayama. Les années quand tu me suis. Où que tu sois dans le monde et quelle que soit ta galère, le message dit, vise toujours le sommet et persévère. C'est pour la terre, mais on est là. Il faut que tu le saches, une acquisition qui te demande des efforts pour la gars. Par ton intégrité en MST, en carreau, en tissu, en perversion de l'esprit. Hey. Oh là la merci, hey. Aïe, 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 aïe. Oh là, hey. Oh là. Là, tu essayes de me faire marcher, mec. Si tu crois vraiment qu'un petit stylo peut te faire gagner le bac, c'est que je suis le pape. Je suis ta pensée, mec. Mais je te dis que c'est le stylo en or. Et je te jure que ma matière sait de quoi elle cause. Puisque c'est elle qui m'a amené chez le gars. Au fait, souviens-toi que, à chaque fois que tu l'ouvres, tu n'oublies pas de dire grand marabout. Grand marabout. Allez, c'est là. Touché partout. Très bien même, grand marabout. Il ne jure plus que par moi. Ton pouvoir est trop fort, grand marabout. Ah. Alhamdoulilah. Plus que tu ne le crois, ma fille. Mm. Plus que tu ne le sais. Mm. Mais j'espère que tu as fait tout ce que je t'ai demandé de faire. Oh oui, grand marabout. J'ai tout fait. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. D'accord. Qu'est-ce qui me dérange encore l'air là? Oui. Qu'est-ce qu'il y a pour vous? Ah oui, tu es l'enfant de Madame Jacqueline. Ah, c'est ça, comme avant. Ah oui, je vois. Asseyez-vous d'abord. Un moment donné là. Je vais finir d'abord mon travail. Il ne faut pas avoir peur. Eh bien, pour trouver un stylo en or, cet endroit est très bien choisi. Hein? Arrête de jouer les sceptiques, mec. Et profite-en plutôt pour régler le cas de Boula qui commence à jouer les chefs de bande. Celui-là, mec, il ne sait pas ce qu'il tombera dessus un de ces quatre matins. Je vois. Tu veux dire qu'il est sur le point de se remarier? Il ne faut surtout pas que ça arrive, grand marabout. Il faut faire en sorte que je puisse m'installer avec lui. Sinon, c'est ma vie qui est foutue. Mais tu as déjà vu les signes? Oui, grand marabout, j'ai vu. Alors, faut rester tranquille. Tu vas voir la force de mon pouvoir. Maintenant là, il va falloir qu'on mette les paquets. Et j'espère que ce serait suffisant. Ce sera largement suffisant. On va travailler avec ça. Mais ça va encore manquer un peu. Maintenant, écoute, je vais te dire quelque chose. Je ne prétends pas que tu vas m'aimer du jour au lendemain. Je sais une chose, c'est que je t'aime depuis toujours. Cynthia. Je ne veux pas te brusquer. Je voudrais que tu y penses calmement. Je veux du sérieux. J'espère que tu sais ce que tu dis. Je veux du sérieux. Sinon, rien. Un examen.
c'est comme la dernière bataille d'une guerre. Tu comprends? Voici le bic que tu m'as demandé la dernière fois. J'ai beaucoup travaillé sur ça. Je n'ai pas dormi la nuit. Je te remercie, grand marabout, du fond de mon cœur. Est-ce que tu as la foi, mon fils? Oui, grand marabout, j'ai la foi. Alors donc, tu peux savoir faire les prières. Voilà des prières. Les premières prières, tu vas faire ça le soir, la veille de l'examen. Après le soir, si vois. Les deuxièmes prières, tu vas faire ça le matin de l'examen. Après le matin qui va suivre. Jusqu'à la proclamation. Tu comprends ça? Oui, grand marabout. Je vois les chagrins. C'est ton ami. Toi, tu es un homme de commandement. Et il y a quelque chose qui te bloque. Il y a beaucoup de choses, grand marabout. Oui. Mais je vois une fille. Hey, voilà. Il est beaucoup joli. Elle est très belle, oui. Grand marabout. Belle comme un fruit sauvage et... C'est la qualité de femme qu'il faut pour un homme de couragement comme toi. Tu comprends? Mais... On dirait qu'il a déjà un copain. C'est ton rival. C'est vrai, grand marabout. Vous pouvez m'arranger ça? Hé hey. Oui, c'est moi. Tu veux me faire croire que tu es toujours à ton bureau, n'est-ce pas? Écoute-moi bien, Raymond. Arrête de me prendre pour une idiote. Je sais que tu continues de voir ta tuée là. Arrête-moi ton char. Tu crois que tu passes inaperçu dans cette petite ville? Mais je te jure que très bientôt je saurai qui c'est et ça va se savoir. Je te jure. Gêne, c'est que Marc a l'air de souffrir de mon silence. C'est un bon point pour toi. Es-tu vraiment sûre que tu n'éprouves pour lui que de la simple amitié? Excusez-moi les filles, je réalise un album photo. Vous permettez? Waouh, la classe. T'es carrément passé au numérique. Oh. Bon, puisque tu es là, fais ton truc et lâche-nous les baskets. Alors là, on sourit un peu. On y va. Super. Cynthia, la main. Merci. Allez, Victor, c'est à toi. Ah. Je voudrais une de Victor avec le chef de classe. Ça vous dérange pas? Pas du tout. Tu fais comme tu veux. On ne s'était pas dit bonjour depuis ce matin. En effet, bonjour, chef. Jusqu'à la fin, tu ne me prendras jamais au sérieux. Il ne faut pas désespérer. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Ok. J'espère que tu as pris les soins de ne salir personne avant de serrer sa main. Assurément, grand marabout, et à deux reprises. Ça c'est bien, ça c'est très bien. Je crois que le parfum sacré a déjà commencé son effet. Bon,
Maintenant, il va falloir qu'on travaille dur. Tu comprends? Pour la séparer du pouvoir de ton rival. Pour votre peine, grand marabout. Oui. Ah bon, d'accord. Oui, viens tout de suite. Oui. D'accord, dans 15 minutes. Oui, ça c'est bien. Merci. Maintenant, il va falloir qu'on passe à la vitesse supérieure. Tu comprends? Tu vois la racine là? Ça c'est un plan sacré. Tu mets ça dans ta bouche. Faut pas mâcher. Après tu approches de elle. Maintenant, tu lui regardes dans les yeux, comme tu as fait la dernière fois. Après tu peux lui demander tout ce que tu veux, ce soir. Si c'est pour partir danser, si c'est pour partir manger. Ce soir, ça va être à ta femme. J'espère que ce type sait ce qu'il fait. C'est quand même un paquet de fric que j'ai piqué à ma vieille pour me venger de cet onda. Tu l'as quand même entendu, mec. Il faut avoir la foi. Si tu commences à douter, tu risques de compromettre le processus, mec. Je pense que bientôt la victoire sera mienne. J'ai la foi, mec. Alors sois zen, mec. Hein? Puis c'est Jamie, ils vont voir ce qu'il rate. Bougeons. Et voilà. Pourtant, c'est bon signe. Et regardez ce qu'elle m'a fait, grand maman. Elle m'est tombée dessus comme un épervier sur un poussin. Puisque je t'ai dit que c'est bon signe. Pourquoi tu compliques? Faut rester calme. Tu comprends? Faut te calmer. Ok. Je me calme. Et j'oublie cette folle. Voilà. Ça, c'est bien. Bon. Maintenant, il ne faut pas oublier que le médicament que je t'ai donné là, c'est sur l'homme, pas sur la femme. Tu as compris? Bon, maintenant, il faut te tranquilliser. Maintenant, viens, je vais te dire quelque chose. Si tu crois que tu vas m'épouser et que je veux me continuer ta petite mégère qui fréquente les marabouts des bas quartiers, mais tu es mal barré. Arrête ton cirque que j'en ai marre à la fin. Tu m'as demandé de rompre avec elle et j'ai choisi de l'inviter pour le lui signifier. Et tu n'as pas trouvé mieux que de débarquer à l'improviste. Je te laisse le temps de savoir ce que tu veux. Polycope, chérie. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je vais aller droit au but. Tu as encore mis la main dans le tiroir, n'est-ce pas?
Maman, de quoi tu parles? Je parle des 30 000 qui ont disparu du tiroir de ma coiffeuse. Qu'en as-tu fait? C'est normal. Depuis que cette maison est devenue un moulin à vent, il n'y a pas de quoi s'étonner. Monsieur l'arnaqueur, tu t'empiles. Il faut que tu m'expliques l'histoire de cette photo. Finalement, votre album de fin d'année, c'est plutôt chez les marabouts que ça se passe? Comment ça chez un marabout? La prochaine fois que tu iras consulter un marabout, emmène plutôt la photo de ta sœur. Je n'existe plus. Tu ne penses qu'à déconner avec tes petites chanteuses et choristes que tu changes au rythme tes capotes usées. Take it easy, baby. Tu es ma soeur spirituelle, tu le sais bien, mon sucre. Spirituelle des fesses. Garde tes fausses douceurs pour les deux gosses que j'ai portés dans mon ventre et que tu ne viens jamais voir. Arrête de dire n'importe quoi. Tu sais très bien que la préparation de mes concerts me prend énormément de temps et que je suis en studio en ce moment. Nous avons quand même passé un week-end agréable il y a 3 mois. Hein? Ah bon? Donc pour toi, c'est ça que tu appelles à entretenir une famille? La pension, un passage de temps en temps? Quand est-ce que tu vas changer, toi? Faut que tu me fasses des scènes en public. Tu sais, physiquement et spirituellement, je t'aime. Mais ici, c'est mon lieu de job. Faut pas mélanger les choses. Ah ouais? Et tu sais depuis combien de temps je te cours après? Yo, Dédé. On a des sous, le public s'impatiente. Eh oui, ici, les répétitions sont payantes, mec. Alors, s'il te plaît, secoue tes rasta et puis suis-moi. Ok? C'est bon, j'arrive. Tu as gagné, monsieur. À partir de demain, on est ensemble en attendant la tournée. C'est quelle chaîne de télé, ça? C'est la chaîne qui monte. Alors, un petit mot pour nos téléspectateurs. Ja Rastafari. À toi, mon frère, à toi, ma sœur, qui me regardez sur la chaîne qui monte. Voici l'éphéméride du jour. Aimons la vie et préservons-nous contre les maladies. Yes, I. Mais tu es devenu complètement aveugle, nom de Dieu. Tout le monde le voit. Cette petite métisse t'a mis la tête dans la marmite. J'ai vraiment pitié de toi. Tu crois que cette ambitieuse cherche quoi avec un vieux comme toi?
crois-tu qu'elle a trouvé? Chez cet oiseau de malheur, puisque c'est à lui que je l'ai confié. Quand même bizarre. Ouais, une bizarrerie qui me coûte quand même 30 cercles, qu'il va me restituer immédiatement ou je lui tords le cou. Que je vous dis que ce monsieur a déménagé hier soir. Il a réglé son loyer sans faire d'histoire et il est parti, c'est tout. Quoi? Vous voulez dire que cet escroc a filé avec mon argent? Mais il n'en est pas question. Vous savez où il se cache? Dites-moi où il se cache. Calme-toi un peu, Amandine. Cette femme dit peut-être la vérité. Mais mon Dieu, tonton! Cet homme m'a bouffé plus de 500 000 francs et toi, un policier, un homme de loi, tu me demandes de me calmer? Mais cette femme est peut-être sa complice. Mesurez vos paroles, mademoiselle. Cet homme n'était que mon locataire et ses activités ne m'intéressent pas. C'est vous qui devrez faire attention à vos fréquentations, d'accord? Et vous, je vous interdis de me parler sur ce temps, ok? Oh là, oh là, oh là, calmez-vous. Essayons d'y voir un peu plus clair. Où est-il? Où est cet oiseau de malheur? Ah, Sidoine, Polycarpe. Ne me dis pas que tu fréquentes aussi ce marabout. Si je fréquente ne te regarde pas. Maintenant, je sais comment cette photo aboutit chez la Victor. Donc, c'est toi. C'est donc toi la tuée qui maraboute mon enfoiré de beau-père et que ma mère a bastonné. Hola! Hola! Hey, hey, phenomenal wanna, lyrical wanna, message de paix aux adultes et aux bainas, message d'amour. Les cerveaux, gamicité, en toute simplicité, plébiscité, mon africanité, devient symbolisée pour toutes les cités, d'Afrique, d'Amérique, d'Asie, d'Europe, du Sud, du Niveau. La rouille est louée, la rouille est louée, la radio est louée, on entend ça ou quoi? Les années comme, les années comme, la rouille est louée.